se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Team Guy. Et aujourd'hui, on va jouer au pire jeu de foot. Parce que nombreux sont à créer des jeux de foot, mais très peu sont à créer de bons jeux de foot. Et aujourd'hui, j'ai trouvé des jeux vraiment pourris. Alors, peut-être pas les pires, vous allez me dire, mais ils sont quand même à un niveau assez nul. On va les découvrir ensemble et je sens qu'on va s'ennuyer. Ouais, c'est super sur ma chaîne, on s'ennuie. On rigole, mais on va rigoler, je pense qu'on va voir ces horreurs, ces jeux que des gens ont créés mais n'auraient pas dû ou auraient dû perfectionner la chose. Parce que déjà sur FIFA, les gens on se plaint, alors imaginez ces jeux. Donc voilà, sur ma chaîne déjà, il y aura une nouvelle série, donc les pires jeux de quelque chose. Donc là, ça commence par les pires jeux de foot, mais vous pourrez me dire en commentaire. Il y aura une prochaine série, si ça vous plaît, bien évidemment, après peut-être que celle-là est nulle, mais les prochaines seront bien, peut-être, on ne sait pas. Moi, je vais pas commencer à dire que c'est nul, on verra bien à la fin. Donc, proposez-moi en commentaire des idées des pires jeux de quelque chose, des pires jeux, voilà, je ne sais pas. Moi, j'ai une idée, ça sortira pour la prochaine, mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas en commentaire. C'est toujours sympa. Donc, jingle, premier jeu, c'est parti. On va jouer à un VS, un soccer game. C'est un jeu de foot, comme vous aurez compris. Play, on appuie sur play, c'est parti. Waouh. Oula. Un son un peu fort. Enle. Contrôle tab on screen, oh, je sais pas parler anglais, bon ça c'est pas la vache, oh le son est horrible. Ah le son est horrible. Alors pour jouer il faut appuyer sur A et D. Bon déjà les graphismes vous voyez bien que c'est la cata. On a quelqu'un, il a fait un dessin de terrain, hop, il a fait un carré avec deux ronds dessus et il a fait un ballon au milieu. Donc déjà niveau graphisme, voilà, on est sur un jeu nul, voilà, on ne fallait pas s'y attendre à grand chose. Bon, allez, on se lance à aider déjà. Attends, ça. Oula. Alors moi je suis du rouge. Hein. C'est quoi ça de jouer l'autre là? Ah vache, c'est hyper dur, vous devez appuyer sur A et D pour bouger. C'est horrible. Hyper dur. On dirait qu'on a une voiture qu'on doit contrôler avec la fumée qui sort derrière. Avec la musique. Attends, mais c'est la guerre. Et pourquoi il joue pas l'autre? Pourquoi il s'arrête? En fait, le jeu de foot, j'ai pas trop moins. Il tire un coup et après il s'arrête de jouer. Ah là, ça y est, mais pourquoi il part par là? Ça n'a pas de sens. Je suis le rouge, hein, je suis pas le bleu. Ouais, il y a même pas d'adversaire, j'avais même pas touché le ballon. Enfin, attendez, c'est galère. Oh, oh c'est nul. Oh non. 2-0 quoi? Ah, c'est moi qui ai marqué au début. C'était pas lui. Ah, je vais éliminer. 2-1. Non, moi j'ai compris en fait, c'est tellement mal programmé, le joueur adverse il est juste programmé pour aller tout droit et dès qu'il y a un mur il s'arrête. Et dès que je le bouge, des fois on peut donner des coups, et qu'il tourne il va aller tout droit, il va s'arrêter dès qu'il y a un mur. En fait c'est hyper mal programmé de toute façon. Déjà il a juste fait un terrain et l'adversaire en fait il va tout droit avec le. Regardez quand je fais ça, il va tout droit. Et dès que je le bouge, il ne bouge pas, il va juste tout droit. Regardez, il continue tout droit et il ne va pas après. Et moi j'y tire dedans. Je marque alors qu'il n'y a même pas d'adversaire en fait. C'est le plus dur, c'est juste de marquer déjà. Même s'il n'y a personne, c'est la galère. Alors imaginez s'il joue. Et le match ne s'arrête jamais apparemment. En fait, je vais aller tout droit, donc il me fonce dedans et je ne peux pas bouger, je suis bloqué, au secours. Au secours. Lui, il va aller tout droit. Et dès qu'il est bloqué, il s'arrête.
qui est insupportable. Et je suis bloqué, je ne peux pas avancer. Mais heureusement qu'il y a une musique pour... Non, 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 mais il avancera pas. Bon, on va refaire le match parce que c'est un peu laborieux là. Ah, c'est vraiment mal fait. Pourquoi ça a changé? Pas compris. Alors, on a un adversaire en fait qui va tout droit, puis après qui s'arrête. Donc... Et là, c'est pas rentré, hein, on a bien vu. Le créateur. Oh, et pourquoi il y a un 0 pour l'autre alors que c'est moi qui me bute? C'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. Ce jeu n'a absolument aucun sens. Et en plus, c'est hyper galère. On peut même pas faire avec les flèches quand même. Ah, et puis il s'est réveillé l'autre. Je sais pas, il s'est réveillé l'autre et après il s'arrête de jouer. Oh là là, non, non, non. En plus, lui il peut aller tout droit, mais par contre, nous c'est impossible d'aller tout droit. Et voilà, je suis loupé. Faut être vraiment un pro gamer pour savoir jouer à ça. Bah oui, je suis pris un dribble par un joueur qui va juste tout droit. Je sais qu'il va aller tout droit. Et je me fais. Oh là, le film va rater ça chaque fois. 5-1, bon, on parle pas de ça. Hein. Regardez, tu reste tout droit. Il ne bougera pas. Hein. Et voilà. Ouais. J'ai un peu honte. On dirait qu'on est sur un vaisseau là. Yes, 6-2, allez on prend la remontada. Mais ça ne s'arrête jamais en fait ce match. Donc en fait vous choisissez quand vous gagnez ou quand vous perdez. Comme je suis un peu un tricheur. Oh là là. Bon, on va dire à 10. Hein. Player 2, oui. Ah non, c'est en 7. Bon, et la petite revanche parce qu'on va pas se laisser abattre comme ça. Hein. Et je suis bloqué, c'est super. Voilà. Bon, je crois qu'on on va couper la musique, c'est insupportable. Je crois qu'on a assez vu avec ce jeu. C'est nul. Y a rien à dire de plus. Là, c'est nul, c'est un terrain avec deux joueurs. Un qui ne bouge pas et un qui bouge mais qui galère. Donc on va tout de suite passer au jeu. Suivant. Alors là, on se retrouve sur Sports Heads Football Game. On va découvrir ça ensemble. Est-ce que ça va être mieux que le premier? En même temps, ça va être compliqué de faire pire. Vu l'autre qui était à un niveau de nullité nul. Donc là, il y a 130 gemmes sur Facebook. Oula, attention. Alors, c'est parti. You opponent. Alors moi, je ne comprends rien à l'anglais, hein, donc voilà. We will be happy to help you make money. Play. Ah, on peut choisir son perso. Ah oui, d'accord. Donc, en gros, vous devez gagner 10 matchs pour devenir le champion de Sports Heads. Devenir gamer professionnel sur Sports Heads. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. On peut choisir la tête de son personnage. Mais regardez la tête des personnages. La vache. Alors là, non, mais là, tu peux pas faire pire, d'accord? Que tu sois mauvais en dessin, je peux comprendre, mais. Au pire, tu fais juste un rond avec deux yeux, c'est pas grave. Mais essayez d'avoir un style et finalement... Oh là 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 là, non, non, non. Oh la vache. J'ai un petit coup de cœur pour lui, quand même. J'ai un petit coup de cœur pour lui, donc on va jouer contre Wine Rune. D'accord, ils ont changé les noms, t'es genre... Zizu top. Bon, Michel Latini, d'accord. Les jeux de mots. Bah, les jeux de mots, ils ont juste, en fait, je sais pas pourquoi, mais ils ont pas pu mettre les noms des joueurs de foot. Donc, ils ont un peu modifié leur nom. Spice to start. C'est parti! Alors, comment on avance? Alors, ça, on tire avec espace. D'accord, bah, but. Ah, d'accord. Je comprends, là. Alors, on saute comme ça. Oh! Oh, l'arrêt! Regardez ça! Oh, c'est l'horreur. Hop. Allez. Tac. Oh, c'est nul.
coup, c'est copié sur des jeux comme comment ça s'appelle? Je dirai ça plus tard. Voilà, le but contre Sokan, c'est magnifique. Eh oui, monsieur, oui, monsieur. Je ne sais pas jouer. Et 3-3, 3-3. La remontada. Mais c'est tellement mal fait. Oh, la retournée contre mon camp. Alors, je vous conseille pas Moose Breaker pour créer des jeux. Il sait pas faire, hein, vous voyez. Et... Oh, dommage. Et on s'amuse presque, hein. Tellement c'est nul. Non, allez, allez. Oh non, mais attendez, vous laissez l'action, monsieur. Monsieur, non, c'est pas possible. On va essayer, en revanche. Mais vous avez vu, en fait, on ne joue pas sur le terrain, on joue à côté. Vous avez le terrain, vous le voyez en loin, mais vous jouez un peu sur une poutre verte, en fait. Donc, voilà, c'est encore très mal fait. Il a tenté avec le but. C'est quand même assez drôle, hein, le graphisme. Avec le but, la cage de but qui est sur le côté, il a essayé de la... Bon, oh la vache, oh là là, c'est tellement mal fait, regardez ça. En fait, nous on joue sur une poutre et puis le terrain est à côté. Alors le but, en fait, on peut pas marquer vu qu'il n'y a qu'un poteau, en fait. Ça tombera finalement que sur le poteau. Bon, on va essayer de battre Wayne supporter très vite. Elle est pas rentrée, hein. On est d'accord. Voilà, bon, on va pas parler de ça. On va pas parler de ça. Oh, je suis devenu grand. Je sais pas comment, mais. Bon, voilà, quoi, c'est une humiliation, moi. Je voulais lancer ma carrière de e-sport dans le jeu, quoi. Donc, c'est dur de se voir à 7 ans juste contre l'ordi au niveau 1, quoi. C'est dur, mais bon, c'est la vie, quoi. Bon, on va pas se laisser abattre. On va pas se laisser abattre. On va y aller. On va retenter. Bon, une troisième fois, je me prends encore une 7-1 contre Wayne Rooney. Donc, on va changer de personnage. Je suis sûr que lui, il est nul. C'est pour ça. Lui, alors lui, il est beau en plus. Et celui-là, on gagne, c'est sûr. Il est pire. C'est Yannick Noah, lui. Oh. Oh, le coup de bol. Voilà, je vous avais dit qu'avec lui ça marcherait. Je vous avais dit. Encore rentré. Voilà, bon. Voilà, on pensait gagner, ben non. Bon, c'est pas fini, mais j'y crois pas trop. En plus, il lui donne la balle. Attendez, c'est moi qui me prends le but et c'est lui qui a l'engagement. Quelle arnaque, voilà. Il y avait 3-1, il y a 4-3. C'est dur, c'est dur. Le e-sport, là, il est mort. Ouais! On va annoncer Road to Goodness. Oh là 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 là, mais c'est un jeu de folie. C'est un jeu de folie, on est en train de grimper des paliers incroyables. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, balle de match! Là, on est concentré. Non, oh non! Oh la boulette! La boulette! Je pense qu'on a assez plus de ce jeu, c'est. Voilà, ma carrière d'e-sport va s'achever là, sur cette défaite dure contre Rude Gulnest. Dur, dur. C'est dur, c'est dur. Je n'ai rien à dire. Donc, on va tout de suite se retrouver pour le jeu suivant, évidemment. Donc, on va jouer à Goofball. Alors, je sais pas trop comment ça se prononce, Goofball, je sais pas. Donc, c'est parti, ça va être l'horreur. Je vois juste à l'aventure. Là, je pense qu'on a atteint un niveau de jeu nul, mais nul, nul. Là, c'est extrêmement nul. Bon, je pense qu'on plus on avance dans le nul. Là, on a commencé déjà, c'était nul, mais là, on commence vraiment à devenir vraiment pourri. Donc, ça fait mal aux yeux. Allez, play against computer. Attends. Oh, la vache.
Mais regardez le terrain. C'est juste un petit terrain en herbe. En fait, c'est le gars, il a fait son truc. Il a fait un truc en cube comme ça. Il y avait un terrain au milieu avec trois bouts d'herbe, quatre panneaux de pub. Tu connais panneaux de pub pour son propre jeu, mais du coup, on joue à son jeu. Donc, il met des panneaux de pub pour son propre jeu auquel on joue déjà. Alors qu'on y est dessus, pourquoi mettre de la pub pour son propre jeu? Ce qui est assez mille avec des cages voilà, pourries et puis des joueurs. Alors là, c'est insupportable à jouer. Il tombe tout le temps. C'est Neymar Simulator ou quoi ce jeu? Et puis la musique, bon, à chaque fois, je nul, on... toujours une mauvaise musique. En plus, c'est insupportable parce qu'il faut payer pour pouvoir avoir des modes spéciaux. Comme tout ça, vous voyez. Du coup, bah, je vais à un match d'une minute et faut marquer. En une minute, je sens que ça va être très dur et très long et qu'on va. Ça va être horrible. Voilà, ça va être horrible. Je le sens. Voilà. Oh là là, non, mais il marque déjà. Surface et il se fait pousser, allez. Oui, non, mais quoi? Il continue à courir, il a loupé la balle, et je suis continue. Ça fait au moins 20 minutes que je joue à ce jeu. Que je merde, que je paie. J'en ai marre. J'y arrive jamais. Je n'y crois pas. C'est horreur, je vais devenir fou. Je vais devenir fou à la fin de la journée. Si je ne suis pas déjà. Quelle horreur ce jeu, mais quelle horreur!
Ah, j'en reviens pas. Allez, 5 secondes. Oui. C'est émouvant. Ah, c'est enfin terminé. J'ai enfin. J'y croyais plus. Bon. Je joue à ce jeu. Je pourrais pas vous dire depuis quand, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ah, j'allais mourir. J'allais. Vous savez pas combien de temps ça va durer. Mais enfin, même si à un moment je voulais marquer, j'ai eu des actions. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça a été horrible. Bon, ça a été horrible. Voilà, donc en tout cas, dites dans les commentaires d'autres épisodes, des pires jeux de quelque chose. Voilà, d'autres jeux, je sais que dans tous les jeux, il y a des jeux nuls. Voilà, comme on a vu aujourd'hui, des jeux nuls, horribles. Alors que Golfball, c'est le pire des pires. Je veux même plus entendre parler de ce jeu. Je n'y jouerai plus jamais de ma vie. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur ma chaîne Team Game. Donc, abonnez-vous, likez, commentez, partagez sur les réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir. Donc c'était Team Game. The end.